Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est AgriMonique71. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo donc sur Farming Simulator 17. Donc, on est sur ma map. Donc, comme j'en avais parlé déjà sur l'ancienne map, je vais faire une petite série de vidéos en fait, où vraiment on va retrouver. Où on verra que je jouerai sur la map en même temps que je travaille dessus, comme ça vous verrez en même temps. Ce qui s'y passe et ce qui va changer. Voilà, je vais juste faire ça donc pour vous montrer. Vous voyez, je tourne à 60 fps dessus sans problème. Donc pour le moment, il n'y a aucun souci. Voilà, et quelques petites erreurs, mais pas grand chose. Donc voilà, donc on va déjà, je pense aujourd'hui pour un premier épisode, on va faire un petit chantier de moisson. Sur un petit champ, donc j'ai pris une grosse barre de coupe par rapport à la taille du champ pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais à la base, c'est quand même une map qui est conçue pour vraiment faire travailler du petit matériel. Donc voilà, ici on est dans le premier corps de ferme, enfin dans la deuxième partie du premier corps de ferme, donc la partie stockage de matériel. Donc voilà, pour vous la montrer un petit peu, on a l'essence qui est là-bas. Et le kercher qui est derrière le mur, qu'on voit pas vraiment. Donc voilà, donc ici c'est déjà une première partie donc du premier corps de ferme. Tac, donc on va aller directement au champ si j'arrive à tourner avec mon petit Someka. Ça c'est encore pas garanti. Ouais. 450, ça va bien. Et hop, si je laisse les FPS comme ça, vous verrez que tout tourne parfaitement à 60 FPS. Il n'y a aucun souci. Quoi, couper par les chemins, sinon demain on est encore là. Hop, la boue. Avec un deux roues motrices, c'est chaud quand même. On va prendre la vitesse et pouf, la boue nous arrête direct. Donc vous voyez, on va aller faire le champ où il y a la moissonneuse batteuse un peu plus bas. Donc on va redescendre, les routes ne sont pas formées encore totalement. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des bosses un peu de partout. Vous inquiétez pas, ça va être réglé aussi au fur et à mesure de l'avancement de la map. Voilà, la petite épingle. C'est elle qui m'a fait refaire, qui m'a fait faire cette map. Ouais. The fuck, j'ai béné le tracteur en tournage. Comment dire, ça va bien se passer. Bon, bah, on va aller en chercher un autre. On va prendre le petit T7 ici. Hop. Donc, pourquoi celui-ci est garé là? Donc, c'est pour vous montrer la deuxième partie du corps de ferme, donc la partie laitière. Donc, ici, on a un petit hangar, deux petits hangars et la partie donc vraiment animaux. Il va être ici, donc on va me prendre un petit peu d'altitude pour vous montrer. Non, ça va pas marcher là. Voilà, je vais monter un petit peu en l'air pour que vous puissiez voir. Altitude de FPS hein, quand je monte, voilà. Vous voyez, le pré des vaches est ici. On en a quelques-unes déjà à l'intérieur qui se promènent, qui naviguent. Et quelques-unes dans la stabule. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour vite fait. Après, c'est vrai que ceux qui suivent en live, vous avez déjà vu certainement la stabule, le corps de ferme. Donc voilà, ici vous avez donc fosse à fumier, fosse à lisier et les deux silos d'un silage là-haut. Voilà, voilà. Et donc la deuxième partie de ce corps de ferme, on va prendre le chemin qui va se trouver à notre droite. Et donc là vous allez être trouvé au bout de ce chemin. Là où on était tout à l'heure au départ. Donc voilà, pour la texture de route, elle sera comme ceci tout le long. Tout le long de la map, hein. C'était un essai pour voir si tout fonctionnait. Il
essayer de relever mon tracteur là-bas, de le redresser, parce que ça va être chiant sinon. Est-ce que je vais pouvoir le redresser? Non, je vais pas pouvoir le redresser. Bon. On va racheter une barre de coupe et puis on va aller directement moissonner un petit peu. Désolé pour le petit contretemps. Ça, vous verrez comment on verse. Avec un tracteur, c'est assez charmant. Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup de pentes. C'est vrai que pour le moment, c'est une map vraiment en pente qui, comme je dis, est faite pour faire tourner du petit matériel. Pour ajouter un maximum de réalisme par rapport à la région d'origine, qui est la mienne. Où vraiment les plus gros tracteurs en général font entre 140 et 150 chevaux. Et c'est déjà du très gros tracteur pour chez nous. Donc. Donc on va aller chercher cette petite barre de coupe rapidement. On va faire un petit épisode donc moisson comme je disais. Donc le concessionnaire pour le moment il est comme ça mais il va pas rester comme ça. Je vais changer je pense. Peut-être le rétrécir un peu parce que je le trouve bien assez grand. Ah bah d'accord, ah bah putain, je peux y arriver ça. Ok. Ok, d'accord. Vendre, oui. Vendre, oui. On va acheter deux barres de coupe. Sinon, à part ça, je ne suis pas fatigué du tout. Donc, je pense que ça peut être cool pour vous de voir un petit peu l'avancement de la map au fur et à mesure. Dites-moi dans les commentaires si l'idée vous plaît. Déjà, j'ai vu aucun autre youtubeur le faire pour le moment. Donc, pour ça, je vais essayer de lancer le truc à mesure, voir si ça, si ça peut être un bon concept des fois. Donc voilà, ça y est, on va pouvoir enfin moissonner. Par contre, il manque un petit truc pour le moment, c'est sur FS17. Je sais pas si vous connaissez les moissonneuses batteuses qui ont vraiment donc l'arrière qui se lève pour être vraiment parallèle à la pente. Et je pense que pour une map comme ceci où les trois quarts des champs seront en pente, ça serait plutôt cool d'avoir ce genre de machine en auto-level là comme. Je sais qu'ils le font chez Massé, je sais qu'ils le font aussi chez Classe. Newland, je sais pas s'ils le font aussi, je crois qu'ils le font. C'est vraiment des machines que nous on voit par chez nous, je sais pas si c'est pareil chez vous. Après, suivant les régions, c'est vrai que ça change un petit peu le matériel. Donc ne faites pas attention, hein, les bords des champs ne sont pas très bien faits, c'était juste, là ça a été fait à l'arrache. C'était juste pour pouvoir vous présenter cette vidéo ce soir. Enfin, vous présenter cette vidéo, oui, ce soir, parce que, bien sûr, je la tourne la veille. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pente qu'il y a là. Mais pour vous dire, ouais, je n'appuie pas sur l'accélérateur. Hein. On va voir à combien on monte. Juste pour le fun. À mon avis, ça doit pas moissonner très très vite. Hein. Ah si, 5, 6, 6, 7. Ah ça va en fait. 6-7 km/h, je m'attendais à pire que ça. Et bon, celui-là, c'est pas le plus en pente qu'il y aura sur la map. Il y en a un autre qui est beaucoup plus en pente. Mais que vous verrez plus tard, je pense que je devrais peut-être un ensilage. Je suis ici, ça peut être marrant de faire un ensilage dans la pente.
Et je pensais aussi remettre quelques petites flaques de boue aussi dans les champs. Comme ça, en pente, je pense que ça pourrait être rigolo. Enfin, ça pourrait être marrant de se planter aussi. Pour rajouter un peu de réalisme, comme quoi il faudrait aller chercher une chaîne pour sortir l'ancileuse ou la mousse batte. Qui est dans le champ concerné. C'est vrai que ça pourrait être cool. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Ils sont là pour ça. Donc comme vous pouvez le voir, les champs sont pas très grands. J'ai essayé de les faire le moins carré possible. Parce que je sais que tout le monde déteste les champs bien carrés. Sauf les accros à l'ouvrier. Les accros à l'ouvrier, bon bah désolé, la map n'est pas pour vous. Faudra vraiment se débrouiller tout seul. Et oui, autre chose aussi, n'hésitez pas à me conseiller quelques mods que vous avez sur votre jeu. Si vous voyez que je ne les ai pas, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des fois des liens. C'est vrai que ça peut être cool d'avoir des nouveaux mods. Personnellement, j'aime bien avoir de nouveaux mods, donc dites-moi dans les commentaires si certains que vous adorez, enfin vous aimez bien, si vous voulez les voir en jeu sur la map, n'hésitez pas. Par contre, je vois que les FPS sont pas du tout constants. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai aucune erreur. Ouais non, je n'ai aucune nouvelle erreur. Là, je sais pourquoi. Parce que je n'ai pas terminé d'optimiser la map et donc Farming n'est pas content, il n'est pas d'accord. Il dit hey, oh là tu me fais lire un truc super lourd. Hop, écoutez, on est déjà à 12 minutes de vidéo, donc je pense que je vais continuer sur un petit accéléré. On se retrouve juste après. A tout de suite. Tout le monde, j'espère que cette petite partie accélérée vous aura plu. Donc, petite question aussi que je voulais vous poser. Vous savez certainement que la map sortira en DL un jour ou l'autre, donc une fois qu'elle sera terminée. Moi, je comptais faire en fait trois fermes bien distinctes. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est mettre des stockages en vrac plutôt que des stockages en silo et un par ferme. Ou donc, ce serait la version vraiment no cheat multijoueur. Donc il faudra vraiment stocker son grain dans sa ferme personnelle et puis le reprendre pour aller le revendre derrière. Donc le point de vente sera dans le village en bas que je vais aller vous montrer tout de suite. Donc le point de vente n'est pas créé encore pour le moment. Le village non plus n'est pas totalement fini de créer.
Corentin devrait s'en charger ce week-end. Normalement, c'est lui qui va me créer tout ce qui est la partie village. Parce que honnêtement, moi, je trouve ça assez chiant, assez rébarbatif de toujours faire la même chose. Donc, comme ça, il aura un petit peu travaillé sur la map aussi, vu qu'on est en entente tous les deux au niveau de nos maps. Donc voilà, on essaye de faire partager aussi quelques petites choses à l'un et à l'autre. Hop, donc le village est ici, donc ça c'est le premier village, donc je sais pas si la coopérative sera dans celui-ci ou dans le prochain village qui va naître derrière. Derrière le petit pont, en fait, il y aura un deuxième village. Donc la coopérative sera soit dans celui-ci, soit dans l'autre. Ensuite ici vous aurez une espèce de point de vente. Donc pour tout ce qui va être les cultures que je vais rajouter plus tard, donc au fur et à mesure, hein, tous les scripts spécifiques que je vais remettre. Donc que ce soit les poissons, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à installer la pisciculture. Alors ça, faut que je demande l'autorisation à... Excusez-moi, Arsenic Modding. Pour pouvoir la mettre en DL avec sa pisciculture. Donc voilà. Sinon voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc dites-moi si l'idée de trois fermes où il faudra chacun gérer son stock en vrac dans un bâtiment de séchage qui sera prévu à cet effet. Et puis voilà. Sur ce. Les amis, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ça, j'essayerai d'en tourner assez rapidement pour la suite de créer sa map de A à Z, pour la suite de la playlist. Mais c'est vrai que ces derniers jours, avec la chaleur qu'il faisait, c'était vraiment impossible de tourner avec le casque et puis la chaleur de l'ordinateur. Donc, vous inquiétez pas, ça va revenir très rapidement. Mais bon, pour moi, je n'ai pas eu trop le temps. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine.